Bonjour, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo vérité et quelques petites précisions à apporter à une vidéo suite à une vidéo que j'ai fait qui s'intitule Le pacte contre l'humanité. Donc, elle se trouve sur ma chaîne. Vous pouvez la regarder, c'est vraiment très parlant. Et en écoutant une autre vidéo d'un contact, j'ai eu des informations. Donc c'est comme ça, voilà, j'ai la pêche aux informations. Donc, elle avait mis un lien et enfin, oui, elle avait mis un lien et j'ai été voir le lien. Et donc, aujourd'hui, je me propose de vous lire ce lien parce que pour ceux qui douteraient encore que en ce moment on vit une guerre entre le bien et le mal, pour ceux qui douteraient encore que Dieu existe mais que Lucifer aussi. Je pense que ça va peut-être vous faire voir les choses autrement ou vous faire comprendre certaines choses que vous ne comprenez pas ou admettre des choses que vous ne pouvez pas admettre parce que c'est tellement gros, tellement important que vous avez du mal à l'admettre. Je peux très bien le comprendre parce que il y a quelque temps, j'aurais eu beaucoup de mal à l'admettre aussi. Maintenant, j'ai les yeux qui s'ouvrent de plus en plus. Je suis de plus en plus éveillée. Je peux me permettre de le dire parce que c'est la vérité. Et je vois de plus en plus de choses. Alors, encore une fois, je ne veux pas dire que je suis quelqu'un de mieux ou de moins bien. Je veux juste dire que je fais mon travail. Et que mon travail me rapproche de plus en plus de mon cœur, donc de la source, et ça me permet donc de rester éveillée et de pouvoir voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que j'aimerais qu'elles soient. Donc à partir de là, je vais vous lire un texte. Bien sûr, il se peut que j'en fasse quelques commentaires. Parce que j'aime bien commenter, surtout quand c'est trop gros, ou quand ça m'interpelle, j'aime bien commenter. Donc voilà, pour toute information, je vais vous donner les informations en lecture, et après, si vous voulez d'autres informations, vous irez voir, comme moi, j'ai été voir. Si vous êtes curieux, moi, je vous donne juste un petit bout. Après, si vous êtes curieux, vous irez voir la suite. Voilà. Alors, donc, on commence. Alors, l'Aurore rouge, l'agenda pro-NWO écrit en 1985, s'avère particulièrement prédictif. Père Reginbald et Serge Monast, en 1985, nous annoncent le nouvel ordre mondial. Révélation importante à une époque où Internet n'existait pas encore. Une vidéo archive en notre possession montre que Serge Monast, tout comme le père Reginbald, furent l'un des pionniers de la lutte contre le nouvel ordre mondial, alors même que celui-ci n'était pas encore dans les médias de l'époque, qu'une théorie du complot limitée à deux ou trois énergumènes plus ou moins dérangés, avant de devenir aujourd'hui l'objectif, voire l'obsession des grands de ce monde et de leurs très puissants maîtres. Alors, ce que je tiens à dire déjà, c'est que le nouvel ordre mondial, qui fait partie du système, donc, ou que le système veut imposer, plus exactement, c'est leur nouvelle façon de faire, de voir. C'est ce qu'ils veulent en fait qu'on devienne. Et ils disent tout en fait sur ce que, enfin une grande partie de ce que on va advenir si on ne fait rien, si on ne bouge pas,
si on reste assis à regarder notre télé plutôt que d'aller voir ce qui se passe et de chercher à comprendre, de trouver nos propres solutions. Eux, ils ont leur agenda, ils ont tout prévu, tout se passe plus ou moins bien pour eux, parce que comme le peuple s'éveille, ben, ça se passe plus ou moins bien pour eux. Mais une chose est sûre, c'est que c'est quelque chose qui est prévu depuis une très longue date. Vous voyez, qu'en 1985, des gens en parlaient, alors qu'en 1985, il n'y avait pas Internet et rien du tout, et on en parlait déjà. Donc, ça date pas d'aujourd'hui, comme on vous le dit régulièrement, mais ça date depuis un certain nombre, une bonne plusieurs centaines, voire milliers d'années. Donc, on continue. Donc, nous avions dans de précédents articles dédiés relaté des travaux pionniers du père Reginbald sur le nouvel ordre mondial et les Illuminati dès les années 80. Voici ci-dessous un texte particulièrement intrigant, censé, selon le journaliste Serge Monast, mort subitement et surtout prématurément, tout comme son compatriote, le père Reginbald, avoir été concocté dans une loge crypto-maçonnique dénommée 666, but du projet mondialiste, établissement de l'occulte mondial, moyen de financement du projet, attention, tenez-vous bien, contrôle du FMI, du GATT, de la Commission de Bruxelles, de l'OTAN, de l'ONU et d'autres organismes internationaux. Voilà, alors si vous comptiez pour avoir la paix dans le monde, ben, je crois que c'est mal barré, hein, et qu'il va falloir vous débrouiller par vous-même encore une fois, au risque de me répéter. Les dernières 18 années furent profitables pour l'avancement de nos projets mondiaux. Donc ça, c'est ce qu'ils disent. Je peux vous dire, frère, que nous touchons maintenant presque au but. La chute des États-nations n'est plus qu'une question de temps, assez court, dois-je vous avouer, en toute confiance. Grâce à nos agents d'infiltration et à nos moyens financiers colossaux, des progrès sans précédent ont maintenant été accomplis dans tous les domaines de la science, de la technologie, dont nous contrôlons financièrement les plus grandes corporations. Depuis les réunions secrètes avec M. de Rothschild dans les années 56 et qui avaient pour but de mettre au point le développement et l'implantation mondiale des ordinateurs, il nous est maintenant possible d'entrevoir la mise en place d'un genre d'autoroute internationale où toutes ces machines seraient reliées entre elles. Car comme vous le savez déjà, le contrôle direct et individuel des populations de la planète serait à tout le moins totalement impossible sans l'usage des ordinateurs et leur rattachement électronique les uns par rapport aux autres en un vaste réseau mondial. Ces machines, d'ailleurs, ont l'avantage de pouvoir remplacer des millions d'individus. De plus, elles ne possèdent ni conscience, ni morale aucune, ce qui est indispensable pour la réussite d'un projet comme le nôtre, surtout si ces machines accomplissent sans discuter tout ce qui leur est dicté. Elles sont des esclaves parfaits dont on rêve nos prédécesseurs, mais sans qu'il ait été à même de se douter qu'un jour il nous serait possible d'accomplir un tel prodige. Ces machines sans patrie, sans couleur, sans religion, sans appartenance politique, sont l'ultime accomplissement et outil de notre nouvel ordre mondial. Elles en sont la pierre angulaire. L'organisation de ces machines en un vaste réseau mondial dont nous contrôlerons les leviers supérieurs nous servira à immobiliser les populations. Comment? Comme vous le savez, la structure de la base du nouvel ordre mondial est composée dans son réseau d'une multitude de réseaux divers couvrant chacun toutes les sphères de l'activité humaine sur toute l'étendue de la planète. Alors, il est évident que Internet à ce jour a vraiment pris une place de premier choix dans nos vies à tous. Très peu de personnes ont Internet, même s'il y en a, hein. Très peu de personnes ont Internet. C'est plus pour les personnes âgées, les personnes d'un certain âge qui n'ont pas Internet, mais
qui, du fait que tout passant par Internet, y compris tout ce qui est déclaration d'impôts, etc., donc ils sont obligés de s'y mettre. De par ce fait, bientôt, vu que c'est déjà arrivé en Afrique, etc., donc bientôt, il n'y aura pas un foyer en France ou dans le monde qui n'aura pas Internet et qui donc n'aura pas un ordinateur. Alors, je continue. Comme vous le savez, la structure de base de notre nouvel ordre mondial est composée dans son essence d'une multitude de réseaux divers couvrant chacune des sphères de l'activité humaine sur toute l'étendue de la planète. Jusqu'à ce jour, tous ces réseaux étaient reliés entre eux par une base idéologique commune, celle de l'homme comme étant le centre et l'ultime accomplissement de l'univers. Ainsi, grâce à tous ces réseaux unis par le lien de la nouvelle religion de l'homme pour l'homme, nous avons pu facilement infiltrer tous ces secteurs humains dans tous les pays occidentaux et en modifier la base judéo-chrétienne. Le résultat est aujourd'hui cet homme, qu'il fasse partie du politique, de l'économique, du social, de l'éducation, du scientifique ou du religieux, a déjà, depuis notre dernière réunion du 6 juin 1967, abandonné son héritage passé pour le remplacer par l'idéal d'une religion mondiale basée uniquement sur l'homme. Coupé ainsi qu'il est dorénavant de ses racines historiques, cet homme n'attend plus en définitive que lui soit proposée une nouvelle idéologie. Celle-ci, bien entendu, est la nôtre, celle du village communautaire global dont il sera le centre. Et c'est précisément ce que nous lui apporterons en l'encourageant à en faire partie, corps et âme, de ce réseau électronique mondial où les frontières des États-nations auront été à tout jamais abolies, anéanties jusqu'à leurs racines les plus profondes. Pendant que cet homme égaré sera absorbé par son enthousiasme aveugle à faire partie de la nouvelle communauté mondiale, en faisant partie de ce vaste réseau d'ordinateurs pour notre compte, nous verrons à partir des leviers supérieurs qui lui seront cachés, à le ficher, à l'identifier, à le comptabiliser et à le rentabiliser selon nos propres objectifs. Car à l'intérieur de cette nouvelle société globale, aucun individu ayant un potentiel de rentabilité pour nous ne pourra nous échapper. L'apport constant de la technologie électronique devra nous assurer que tous les moyens pour ficher, identifier et contrôler tous les individus des populations de l'Occident. Quant à ceux qui ne représenteront aucune rentabilité exploitable par nous, nous verrons ce qu'ils s'éliminent d'eux-mêmes à travers toutes les guerres intestines locales que nous aurons pris soin de faire éclater ici et là en nous ayant servi de la chute de l'économie des États-nations et des oppositions et des revendications des divers groupes composant ces mêmes États. Voici donc la manière détaillée par laquelle nous procéderons d'ici 1998 pour paver la route de la naissance de notre gouvernement mondial. Donc nous ne sommes ni plus ni moins que des objets à leur être, des personnes pour servir, pour les servir. Nous ne sommes non ni plus ni moins que des esclaves via ces ordinateurs, via tout le réseau Internet qu'il y a dans le monde entier. Nous travaillons pour eux, nous sommes à leur botte. C'est du moins ce qu'ils disent. Donc, d'après eux, grâce à ce système d'Internet, ça les coupe de toute leur humanité. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'empathie, ils sont empathiques, ils n'ont plus rien qui fait que, voilà, c'est l'ordinateur, tout ce qui est technologique. La technologie fait en sorte de séparer les gens sous le prétexte de les rapprocher, de rapprocher les gens les uns des autres avec les ordinateurs, parce que, vous comprenez, ça rapproche la famille, ça rapproche les amis qui sont loin et tout. Mais de par ce fait, eh ben, ça vous sépare, vous et le créateur. Enfin, nous et le créateur. Et du coup, ben, on accepte tout ce qu'ils nous proposent, puisque nous sommes séparés, nous sommes tout seuls. Donc, avec eux, nous nous sentons moins seuls. De par ce fait,
ils profitent, ils exploitent ce filon qui pour eux est le meilleur qui puisse leur rendre service. Donc on continue. Décupler la société. Alors, numéro 1, décupler la société des loisirs qui nous a été si profitable à date en nous servant de l'intervention de la vidéo que nous avons financée et des jeux qui lui sont rattachés. Finissons de pervertir la morale de la jeunesse. Offrons-lui la possibilité de satisfaire maintenant tous ses instincts. Un être possédé par ses sens et esclave de ceux-ci, nous le savons, n'a ni idéal ni force intérieure pour défendre quoi que ce soit. Il est un individualiste par nature pardon, et représente un candidat parfait que nous pouvons modeler aisément selon nos désirs et nos propriétés. D'ailleurs, rappelez-vous avec quelle facilité nos prédécesseurs ont pu orienter toute la jeunesse allemande au début du siècle en servant du désabusement de cette dernière. Alors, ça a été fait en. Ils ont donc mis ça au point, écrit ça en 1967, mais ne pensez-vous pas que c'est ce qui se passe maintenant? Il n'y aurait pas un petit rapport. Deuxièmement, encourager la contestation étudiante pour toutes les causes rattachées à l'écologie. La protestation obligatoire de cette dernière sera un atout majeur le jour où nous aurons poussé les États-nations à changer leur dette intérieure contre la perte de 33% de tout leur territoire demeuré à l'état sauvage. Donc, voilà. Ce qui est en train de se passer actuellement, puisque, comme je vous disais, la planète a de quoi nourrir tout le monde. La planète, il y a des endroits où il n'y a absolument personne, mais du fait qu'ils ont mis en place cette histoire de contestation d'écologie, contestation étudiante, etc., eh ben, les gens ne regardent plus autre chose. C'est leur point phare, c'est l'écologie. L'écologie est devenue un but essentiel. Troisièmement, comblons le vide intérieur de cette jeunesse en initiant dès son jeune âge à l'univers des ordinateurs. Utilisons pour cela son système d'éducation, un esclave au service d'un autre esclave que nous contrôlons. Nous allons avoir, et même nous avons déjà, des ordinateurs dans les écoles et certaines écoles ont même déjà des tablettes, une par enfant. Tout ça sous prétexte de rendre la vie de l'enfant plus facile et qu'il ait moins de choses à transporter. Quatre. Sur un autre plan, établissons le libre-échange international comme étant une priorité absolue pour la survie économique des États-nations. Cette nouvelle conception économique nous aidera à accélérer le déclin des nationalistes de toutes les nations, à les isoler en fractions diverses et au moment voulu, à les opposer farouchement les uns contre les autres dans des guerres intestines qui achèveront de ruiner les nations. Est-ce qu'on n'en a déjà pas pris un petit peu le chemin? 5. Pour nous assurer à tout prix de la réussite d'une telle entreprise, faisant en sorte que nos agents déjà infiltrés dans les ministères des affaires gouvernementales et de l'immigration des États-nations fassent modifier en profondeur les lois de ces ministères. Ces modifications viseront essentiellement à ouvrir les portes des pays occidentaux à une immigration de plus en plus massive à l'intérieur de leurs frontières. Immigration que nous aurons d'ailleurs provoquée en ayant pris soin de faire éclater ici et là de nouveaux conflits locaux. Par les campagnes de presse bien orchestrées dans l'opinion publique des États-nations ciblées, nous provoquerons chez ceux-ci un afflux important de réfugiés qui aura pour effet de déstabiliser leurs économies intérieures de leur territoire. Nous verrons à faire en sorte que des groupes d'extrémistes étrangers fassent partie de cet afflux d'immigrants, ce qui facilitera la déstabilisation politique, économique et sociale des nations visées. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est en train
de vivre actuellement, ou est-ce que c'est parce qu'il est prévu avec l'arrivée imminente des émigrés de masse, le fait de les accueillir et le fait que arrivés ici, ils terrorisent et ils tuent les gens en France. Je parle de la France parce que c'est le pays dans lequel je vis, mais c'est ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, sauf ceux qui ont carrément refusé l'arrivée des immigrés, ceux qui, en fait, se comptent sur les doigts d'une main. Donc, nous sommes bien, bien, bien partis dans le... Pour l'instant, leur plan se passe comme ils le souhaitaient, pour l'instant. 6. Ce libre-échange qui, en réalité, n'en est pas un, car il est déjà contrôlé par nous, tout au sommet de la hiérarchie économique, noyautons-le en 3 commissions légales, celle de l'Asie, celle de l'Amérique et celle de l'Europe. Il nous apportera la discorde à l'intérieur des États-nations par la hausse du chômage reliée aux restructurations de nos multinationales. Est-ce que ça ne vous parle pas? 7. Transférons lentement mais sûrement nos multinationales dans de nouveaux pays acquis à l'idée de l'économie de marché, tels que pays de l'Est, de l'Europe, en Russie et en Chine par exemple. Nous fichons bien pour l'instant si leur population représente ou non un vaste bassin de nouveaux consommateurs. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir accès en premier lieu à une main-d'œuvre esclave, ce que nous sommes en ce moment, dans le système, à bon marché et non synthétique que nous offrent ces pays et ceux du tiers-monde. D'ailleurs, leurs gouvernements ne sont-ils pas mis en place par nous? Vote, pas vote. Pardon. Ne font-ils pas appel à l'aide étrangère et auprès de notre Fonds monétaire international et de notre Banque mondiale? Ces transferts offrent plusieurs avantages pour nous. Ils contribuent à l'entretien, à entretenir ces nouvelles populations dans l'illusion d'une libération économique, d'une libération politique, alors qu'en réalité, nous les dominerons par l'appétit du gain et un endettement dont ils ne pourront jamais s'acquitter. Quant aux populations occidentales, elles seront entretenues dans le rêve du bien-être économique, n'est-ce pas ? Car les produits importés de ces pays ne subiront aucune hausse de prix. Par contre, sans qu'elles s'en aperçoivent, au début, de plus en plus d'industries seront obligées de fermer leurs portes à cause des transferts que nous aurons effectués hors des pays occidentaux. Ces fermetures augmenteront le chômage et apporteront des pertes importantes de revenus pour les États-nations. Dites voir, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Réfléchissez bien. Ça ne vous rappelle rien? Nike, Apple, qui sont construits dans les pays du tiers-monde et qui sont vendus ici très richement, pourrais-je dire, et qui sont faits par la population du tiers-monde, par surtout des enfants, qui, eux, ne sont ni à manger, ni à boire, et qui sont obligés de travailler régulièrement pour notre bien-être. Et tout ça n'est qu'une illusion faite par le système mondial. Boss, petit résumé au cas où vous n'auriez pas compris le texte. Ah, moi, je ne dis pas que vous êtes idiot, hein, je dis juste que c'est tellement aberrant que... Ouais. Ainsi, nous mettrons sur pied une économie globale à l'échelle mondiale qui échappera totalement au contrôle des États-nations. Cette nouvelle économie sera au-dessus de tout. Aucune pression politique ou syndicale ne pourra avoir de pouvoir sur elle. Elle dictera ses propres politiques mondiales et obligera à une réorganisation politique, mais selon nos priorités à l'échelle mondiale. Donc, mes amis, ceux qui continuent à voter, je ne dis pas ça pour ceux qui ne votent plus, hein, mais ceux qui continuent à voter, voilà où nous arrivons. Mais continuez à voter, hein, c'est bien. Hein. Vous jouez leur jeu. Continuez. Ah, bah, le système, il vous applaudit. C'est bien. Continuez.
par cette économie indépendante, n'ayant de loi que nos lois, nous établirons une culture de masse mondiale. Par le contrôle international de la télévision, des médias, nous instituerons une nouvelle culture, mais nivelée, uniforme pour tous, sans qu'aucune création future ne nous échappe. C'est-à-dire, grosso modo, qu'ils vous ont mis dans un, ils nous ont mis dans un filet, et c'est eux qui détiennent tout, compris les médias. Les artistes futurs seront à notre image ou bien ne pourront pas survivre. Fini donc ce temps où des créations culturelles indépendantes mettaient à tout moment en péril nos projets mondialistes, comme cela fut si souvent le cas dans le passé. Et voilà. Ne sortons pas de la matrice. Restons dedans et nous ferons leur bonheur. Mais est-ce que nous ferons le nôtre? Pas sûr. Par cette même économie, il nous sera alors possible de nous servir des forces militaires des États-nations, telles celles des États-Unis, dans des buts humanitaires. L'ONU, qui va soi-disant faire la paix, qui est là-bas, enfin bon, bref. Restons bêtes, mais vous l'avez compris. En réalité, ces forces nous serviront à soumettre des pays récalcitrants à notre volonté. Ainsi, les pays du tiers-monde et d'autres semblables à eux ne pourront pas être en mesure d'échapper à notre volonté de nous servir de leur population comme main-d'œuvre esclave. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Pour contrôler le marché mondial, nous devrons détourner la productivité de son but premier, libérer l'homme de la dureté du travail. Nous l'orienterons en fonction de la détournée contre l'homme, en asservissant ce dernier à notre système économique, où l'on n'aura pas le choix de devenir notre esclave et même un futur criminel. Tiens donc, n'est-ce pas ce qui se passe en ce moment? L'homme n'est-il pas devenu l'esclave du dieu argent? Je ne sais pas, je pose la question. Toujours. Tous ces transferts à l'étranger de 12e, pardon, je suis perdue dans les chiffres. Hein. Tous ces transferts à l'étranger de multinationales et la réorganisation mondiale de l'économie auront pour but, entre autres, de faire grimper le chômage dans les pays occidentaux. J'avais pas remarqué. Cette situation sera d'autant plus réalisable parce qu'au départ, nous aurons privilégié l'importation massive des produits de base à l'intérieur des États-nations et du même coup, nous aurons surchargé ces États par l'emploi exagéré de leur population à la production de services qu'ils ne pourront plus payer. Ces conditions extrêmes multiplieront par millions les masses d'assistés sociaux en tout genre, illettrés et sans abri. C'est-à-dire que grosso modo, on est tellement asservi par tout ce qui est argent, etc., que nous ne faisons pas attention à tout ce qui est autour de nous, à tout ce qui nous entoure. Hein. Donc, il y a des sans-abri, il y a des assistés sociaux, comme ils s'appellent, qui ont besoin d'aide pour survivre. Il y a même des gens qui ne savent pas lire, et ça, je peux vous dire que c'est vrai. Et qui n'ont pas d'abri, ben ça, on peut le voir où que l'on soit, à tous les coins de rue, il n'y a pas de problème. 13. Pour des pertes de millions d'emplois dans le secteur primaire, à même les évasions déguisées de capitaux étrangers hors des États-nations, il nous sera ainsi possible de mettre en danger de mort l'harmonie sociale par le spectre de la guerre civile. Alors, je vous lis ça parce que vraiment, si ça peut aider certains à y voir plus clair, pour moi, c'est une belle chose. Mais sérieusement, ça m'écœure parce que c'est exactement ce qui se passe. Je le vois, je le ressens dans mes tripes, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Personne, enfin très peu, ils voient, et même s'il y a de plus en plus d'éveillés. Mais c'est,
Je vous assure que quand on sort de la matrice, c'est tellement flagrant. C'est clair, quoi. Ces manipulations internationales des gouvernements, en 14, ces manipulations internationales des gouvernements et des populations des États-nations nous fourniront le prétexte d'utiliser notre FMI. Donc c'est le leur de FMI, ce n'est pas le vôtre. Au cas où vous croyez que c'est le vôtre, que c'est vous qui avez signé, que c'est vous qui avez donné, vous avez donné votre droit, oui, effectivement. Mais si vous croyez qu'il vous appartient, hein, voilà. Donc, utiliser notre FMI pour pousser les gouvernements occidentaux à mettre en place des budgets d'austérité sous le couvercle de la réduction illusoire de leur dette nationale, de la conservation hypothétique de leur cote de crédit international, de la préservation impossible de la paix sociale. Donc, ça veut dire, ils le disent eux-mêmes, qu'on n'a pas de dette. Elle n'existe pas, cette dette, hein. Il marque bien à mettre en place des budgets d'austérité sous le couvercle de la réduction illusoire de leur dette nationale. Donc, réduction de la dette nationale qui est illusoire. Il faudra aller voir ce que ça veut dire. Le mot illusoire dans le dictionnaire, ce serait intéressant. 15. Par ces mesures budgétaires d'urgence, oh là là, c'est vrai, il y en a, hein, nous briserons ainsi le financement des États-nations pour tous leurs méga-projets qui représentent une menace directe à notre contrôle mondial de l'économie. Voilà. Donc, il faudrait en fait contrecarrer la machine. Voilà. 16. D'ailleurs, toutes ces mesures d'austérité nous permettront de briser les volontés nationales de structures modernes dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, du transport et des technologies nouvelles. 17. Ces mêmes mesures nous offriront l'occasion rêvée d'instaurer notre idéologie de la compétition économique. Celle-ci se traduira à l'intérieur des États-nations par la réduction volontaire des salaires, les départs volontaires avec remise de médailles pour services rendus, ce qui nous ouvrira les portes à l'instauration partout de notre technologie de contrôle. Dans cette perspective, tous ces départs seront remplacés par des ordinateurs à notre service. Dans la fonction publique, quand quelqu'un part à la retraite, est-ce qu'il est remplacé par un chômeur? Posez-vous la question. Pas. Fonction publique, oui, d'ailleurs. Très rarement. Très rarement. Ces transformations sociales nous aident. Alors, 18. Ces transformations sociales nous aideront à changer en profondeur la manœuvre policière et militaire. Tiens donc. Les États-nations. Sous le prétexte des nécessités du moment et sans éveiller de soupçons, nous nous débarrasserons une fois pour toutes de tous les individus ayant une conscience judéo-chrétienne. Attention. Cette restructuration des corps policiers et militaires nous permettra de limoger sans contestation le personnel âgé, de même que tous les éléments ne véhiculant pas nos principes mondialistes. Ceux-ci seront remplacés par des jeunes recrues dépourvues de conscience et de morale et déjà tout entraînés et favorables à l'usage inconsidéré de notre technologie de réseau électronique. Dans ce chapitre, y aurait-il pas un rapport tout petit avec les gilets jaunes? Y aurait-il pas... Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça m'est venu d'un coup comme ça. Donc, je vous en fais part, vous faites ce que vous voulez. Dans un même temps et toujours sous le prétexte de coupures budgétaires, nous veillerons au transfert des bases militaires des États-nations vers l'Organisation des Nations Unies. C'est une bonne blague. Dans cette perspective, nous travaillerons à la réorganisation du mandat international des Nations Unies de force de paix. Sans pouvoir décisionnel, nous l'amènerons à devenir une force d'intervention où seront fondues en un tout homogène des forces militaires des États-nations. Ceci nous permettra d'effectuer sans combat la démilitarisation de tous ces États de manière à ce que
à ce que qu'aucun d'entre eux dans l'avenir ne soit suffisamment puissant, indépendant pour remettre en question notre pouvoir mondial. 21. Pour accéder à ce processus de transfert, nous appliquerons la force actuelle des Nations Unies dans des conflits impossibles à gérer. De cette manière et avec l'aide des médias, bien entendu, que nous contrôlons, nous montrerons aux populations l'impuissance et l'inutilité de cette force. Dans sa forme actuelle, la frustration aidant et poussée à son paroxysme au mouvement voulu poussera les populations des États-nations à supplier les instances internationales de former une telle force multinationale ou plutôt afin de protéger à tout prix la paix. 22. L'apparition prochaine de cette volonté mondiale d'une force militaire multinationale ira de pair avec l'instauration à l'intérieur des États-nations d'une force d'intervention multijuridictionnelle. Cette combinaison des effectifs policiers et militaires créée à même le prétexte de l'augmentation de l'instabilité politique et sociale grandissante à l'intérieur de cet État croulant sous le fardeau des problèmes économiques nous permettra de mieux contrôler les populations occidentales. Ici, l'utilisation à outrance de l'identification et du fichage électronique des individus nous fournira une surveillance complète de toutes les populations visées. Et voilà, on y vient. Cette réorganisation policière et militaire, intérieure et extérieure des États-nations, permettra de faire converger le tout vers l'obligation de la mise en place d'un centre mondial judiciaire. Ce centre permettra aux différents corps policiers et États-nations d'avoir rapidement accès à des banques de données sur tous les individus potentiellement dangereux pour nous sur la planète. L'image d'une meilleure efficacité judiciaire et des liens de plus en plus étroits créés et entretenus avec le militaire nous aideront à mettre en valeur la nécessité d'un tribunal international doublé d'un système judiciaire mondial, l'un pour des affaires civiles et criminelles individuelles et l'autre pour les nations. Est-ce que ça n'en prend pas un petit peu le chemin? Au cours de la croissance acceptée par tous de ces nouvelles nécessités, il sera impérieux pour nous de compléter au plus tôt le contrôle mondial des armes à feu à l'intérieur des territoires des États-nations. Pour ce faire, nous accélérerons le plan Alpha mis en œuvre au cours des années 60 par certains de nos prédécesseurs. Ce plan a à l'origine visant deux objectifs qui sont demeurés les mêmes encore aujourd'hui par l'intervention des tireurs fous créer un climat d'insécurité dans les populations pour amener à un contrôle plus serré des armes à feu. Est-ce que ce n'est pas ce que l'on vit déjà? Orienter des actes de violence de manière à en faire porter la responsabilité par des extrémistes religieux ou des personnes affiliées à des allégeances religieuses de tendance traditionnelle ou encore des personnes prétendant avoir des communications privilégiées avec Dieu. Aujourd'hui, afin d'accélérer ce contrôle des armes à feu, nous pourrons utiliser la chute des conditions économiques des États-nations qui entraînera avec elle une déstabilisation complète du social. Donc, augmentation de la violence. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ni de vous démontrer, frères, les fondements de ce contrôle des armes à feu. Sans celui-ci, il deviendrait presque impossible que nous de mettre à genoux les populations États visés. Tournez les yeux vers les États-Unis, s'il vous plaît. Merci. Quelque chose qui peut sembler effarant et peut-être en train de nous sauver la vie. Rappelez-vous avec quel succès nos prédécesseurs ont pu contrôler l'Allemagne en 1930 avec les nouvelles lois.
mises en application à l'époque, lois d'ailleurs sur lesquelles sont fondées les lois actuelles des États-nations pour ce même contrôle. 25. Les dernières étapes se rapportent à la phase oméga, expérimentée à partir des expérimentations effectuées au début des années 70. Elle renferme la mise en application à l'échelle mondiale des armes électromagnétiques, les changements de climat entraînant la destruction des récoltes, la faillite dans ces conditions des terres agricoles. L'avenir du contrôle des populations de cet État passe obligatoirement par le contrôle absolu par nous de la population alimentaire à l'échelle mondiale et par la prise de contrôle des principales routes alimentaires de la planète. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser l'électromagnétique, entre autres, pour déstabiliser les climats, les états les plus productifs sur le plan agricole. Quant à l'empoisonnement de la nature, elle sera d'autant plus accélérée que l'augmentation des populations lui poussera sans restriction. La dénaturation par moyen artificiel des produits alimentaires de consommation courante, l'empoisonnement de la nature par une exploitation exagérée et inconsidérée et l'utilisation massive de produits chimiques dans l'agriculture, tout cela ramènera la ruine assurée des industries alimentaires des États-nations. Ai-je besoin de rajouter quelque chose? 26. L'utilisation de l'électromagnétique pour provoquer des tremblements de terre dans les régions industrielles les plus importantes des États-nations contribuera à accélérer la chute économique des États les plus menaçants pour nous, de même qu'à amplifier l'obligation de la mise en place de notre nouvel ordre mondial. 27. On va bientôt finir avec ce chapitre, mais l'autre est pas mal non plus. Qui pourra nous soupçonner? Qui pourra se douter des moyens utilisés? Qui oseront se dresser contre nous en diffusant de l'information quant à l'existence et au contenu de notre conspiration, deviendront suspects aux yeux des autorités de leur nation et de leur population. Grâce à la désinformation, au mensonge, à l'hypocrisie et à l'individualisme que nous avons créé au sein des peuples et des États-nations, l'homme est devenu un ennemi pour l'homme. Ainsi, ces individus indépendants qui sont les plus dangereux pour nous justement à cause de leur liberté, seront considérés par leurs semblables comme étant des ennemis et non des libérateurs. L'esclavage des enfants, le pillage des richesses du tiers-monde, le chômage, la propagande pour la libération de la drogue, l'abrutissement de la jeunesse des nations, idéologie du respect et de la liberté individuelle diffusée au sein de l'Église judéo-chrétienne et à l'intérieur des États-nations, l'obscurantisme considéré comme une base de la fierté, les conflits interethniques de notre dernière réalisation, les restrictions budgétaires, tout cela nous permet enfin de voir l'accomplissement ancestral de notre rêve, l'accomplissement ancestral, c'est-à-dire que ça ne date pas d'hier. Celui de l'instauration de notre nouvel ordre mondial. Voilà, donc ça, c'est la première partie que je trouve très intéressante, dont je ne ferai pas de commentaires, mais que j'espère vous poussera à réfléchir un peu. Donc, je vous là, celui-ci, dans ce texte-là, donc, il a été fait il y a plus de 30 ans. Ce qui importe ici, c'est de lire ce qui est écrit noir sur blanc, ce qui a été écrit il y a plus de 30 ans et qui se retrouve recoupé par les faits eux-mêmes. Si après, comment manipuler la population en dit le son. Alors, accrochez-vous. Regardez, écoutez comment vous êtes manipulé. La stratégie de la distraction
L'élément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles dans les domaines de la science, de l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie et de la cybernétique. Garder l'attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux captivés par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé, sans aucun temps pour penser, de retour à la ferme avec les animaux. Alors, ça, c'est un extrait de Arme silencieuse pour guerre tranquille. Mais on y est. On y est complètement. Dans cette première partie, on y est. Deuxième, créer des problèmes qui puis offrir des solutions. Cette méthode est aussi appelée problème-réaction-solution. On crée un problème, une situation prévue pour susciter une certaine création du public, une certaine réaction, pardon, du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple, laisser se développer la violence urbaine ou organiser des attentats sanglants afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore, créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. Nous voilà bien. Quand je dis prenez du recul, ne regardez pas toutes ces bêtises qu'ils font à la télé, concentrez-vous sur vous, libérez-vous, reprenez confiance en vous avec le Créateur, soyez vous-même, ne faites pas attention. Voilà. 3. La stratégie de la dégradation pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement en dégradé sur une durée de 10 ans. C'est de cette façon que des conditions sociales, socio-économiques radicalement nouvelles, néolibéralistes, ont été imposées durant les années 80 à 90. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisation, salaire n'assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution s'ils avaient été appliqués brutalement. Voilà. Donc, tout va très bien, Madame la Marquise, en disant ils ont fait augmenter le chômage, la précarité, la flexibilité, et personne n'a rien vu. Les gens sont dans la rue parce qu'ils n'ont plus de toit, ils n'ont pas à manger, personne ne voit rien. Tout le monde trouve normal que les usines se délocalisent dans un autre pays, on fait une petite grève de quelques jours, mais bon, on ne peut pas se permettre de faire plus parce que forcément on ne sera pas payé, et comme déjà on n'est pas beaucoup payé, et ben on ferme sa bouche et on y va. Voilà sur quoi il compte. Il compte sur le fait qu'on nous dise et qu'on n'agisse pas. C'est ça. C'est sur ça qu'ils comptent, c'est sur le fait qu'on n'agisse pas. Parce qu'à partir du moment où on agit, eux, ils sont foutus. Mais tant qu'on n'agit pas et tant qu'on laisse faire, eh ben, tout va bien, Madame la Marquise. La stratégie du différé, une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme douloureuse mais nécessaire en obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. D'abord parce que l'effort n'est pas à fournir tout de suite, ensuite parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que tout ira mieux demain et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s'habituer à l'idée du changement et accepter avec résignation lorsque le moment sera venu. S'adresser au public comme à des enfants. Ah, tiens donc. Des enfants en bas âge.
que je recommence, parce que c'est intéressant. Je ne l'avais pas lu ça avant, je le lis en même temps que je vous le lis à vous, je ne l'avais pas lu. Hein. Ça m'avait pris la tête dès le début, je ne l'avais pas lu parce que c'est des choses qui sont tellement... J'ai ouvert les yeux grâce à beaucoup de dénonciateurs et de gens qui sont en danger. J'ai ouvert les yeux grâce à eux. Ça me semblait vraiment tellement gros. Je me dis non, mais non, ils sont plus malins que ça quand même. C'est pas vrai, ils sont plus malins que ça. Mais non, ils sont pas plus malins que ça. Mais c'est nous qui sommes trop bêtes. C'est nous qui sommes trop bêtes dans le sens où nous ne faisons pas attention. Nous ne réalisons plus. Voilà, nous avons ça, c'est très bien. Nous avons notre petit confort, notre petite vie de tous les jours, notre petit train-train. Et même si on râle, on ne fera rien parce que ça nous convient. Voilà. Et puis alors, eux, ça leur convient, mais alors. Sauf que certains d'entre nous, bah, ça ne leur convient pas. Voilà. Et donc, certains d'entre nous commencent à se défaire de ça. Et là, ils commencent à avoir peur. Ils commencent à avoir peur pour la simple et bonne raison que les gens se disant libres, donc sortis de ce système économique, donc sortis de ce filet de poissons énorme dans lequel nous sommes, des gens qui se disent libres leur font peur. Parce que ceux-là vont en libérer d'autres, qui vont en libérer d'autres, qui vont en libérer d'autres. Et du coup, eh ben, leur plan est fortement en danger. Mais pour cela, il faut ouvrir les yeux, il faut être conscient de ce qui se passe. Donc, on en revient au 5 qui m'a l'air vraiment intéressant. Parce que j'en ai déjà parlé, en rigolant, sérieusement, n'importe, j'en ai déjà parlé. Et c'est bien parce que je ne l'ai pas lu et pourtant, écoutez bien. Ça s'adresse au public. Alors, je viens de... Tout de suite, là, j'ai eu un cling. J'ai eu... une image de Coluche quand il disait alors la publicité s'adresse uniquement aux débiles mentaux. S'il y en a qui se sentent concernés, restent les autres dehors. Et là, du coup, il dit dehors, hein, il y a beaucoup de monde qui reste. Hein. Donc, ça s'adresse au public comme à des enfants en bas âge. La plupart des publicités destinées au grand public utilisent un discours, des arguments, des personnages et un ton particulièrement infantilisant, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas âge ou un handicapé mental. Plus on recherchera à tromper le spectateur, plus on optera un ton infantilisant. Pourquoi ? Si on s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors en raison de la suggestibilité, elle aura avec une certaine probabilité une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celle d'une personne de 12 ans. Extrait, les armes silencieuses pour guerre tranquille. Nous continuons. Ah, bien sûr, hein. Si on vous dit, ben ouais, la lessive, faut pas la laisser à la portée des enfants, mais vous êtes fous ou quoi? Oh, la lessive, il faut l'arranger. Hein, bon. Et Opel qui reprend tout ce qui est roulant, hein, bien sûr. Un ballon de football, des patins à roulettes. Voilà. Soyons. Ils veulent. Voilà. Hein, c'est un exemple. Donc, numéro 6. Faire appel à l'émotion. Ah oui, l'émotionnel, c'est très fort. Alors, faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Ben oui. Faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle et donc le sens critique des individus. De plus, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions ou des comportements. Voilà, 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 voilà. Maintenir le public dans l'ignorance. 7. Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées par son contrôle et son esclavage. La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus pauvre. De telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole la classe inférieure des classes supérieures soit
et demeure incompréhensible par les classes inférieures. Toujours extrait de l'arme silencieuse pour guerre tranquille. 8. Encourager le public à se plaire dans la médiocrité. Encourager le public à trouver cool le fait d'être stupide, vulgaire et inculte. Remplacer la révolte par la culpabilité, faire croire à l'individu qu'il est seul responsable de son malheur à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont les effets est l'inhibition de l'action. Et sans action, pas de révolution. Voilà. Donc, le fait est de vous presser comme, de nous presser tous comme des citrons. Et on arrive bientôt à la fin, ne vous inquiétez pas. De nous presser tous comme des citrons afin que on devienne complètement stupide, idiot, imbécile et qu'on soit content de trouver des gens comme eux hein, qui pourront nous accueillir, nous aider. Et nous protéger, voilà où ils veulent en venir. Hein? Mais nous ne sommes pas comme ça. Donc, est-ce qu'on va agir ou est-ce qu'on ne va pas agir? 10. Et nous voilà arrivés au dernier. Connaître des individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Au cours des 50 dernières années, le progrès fulgurant de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie et la psychologie appliquées, sans compter les enquêtes de surveillance, d'écoute et de renseignement, c'est pas moi qui le dis, le système est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l'individu moyen que celui-ci ne se connaît mieux. Ah pardon, il y a eu une faute d'orthographe. Mieux que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes. Fin de citation. Donc, moi, j'ai envie de dire que certains d'entre nous savaient déjà tout ça. Il y avait juste un... Ça ressort. Voilà. Vous savez maintenant comment... le système vous prend, nous prend pour des idiots, pour des imbéciles. Je pense que... Si on ne fait rien, là, on est dans la file, on va droit dans les projets. Hein. Si on ne fait rien, si on continue à jouer les idiots, parce que nous ne le sommes pas, mais si on continue à jouer les idiots en se disant « bon, il y a bien quelqu'un qui fera ça pour nous, hein, on a autre chose à faire. » Ben non, personne ne fera ça pour nous. Du fait que nous aussi, on a tous quelque chose à faire, mais le principal à faire, c'est de devenir libre et de devenir indépendant de nous-mêmes, de retrouver notre souveraineté. Voilà pourquoi je vous dis que le bien et le mal existent. Là, vous avez un compte-rendu qui vous montre quel est leur projet et où ils en sont. En fait, ils sont bien avancés dans leur projet. Leur agenda a bien avancé. Hein. Je ne vous parlerai pas d'une autre ici. Mais le leur a bien avancé en tout cas. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'il y a un Dieu, il y a un Lucifer, que pour l'instant ce système est basé sur le mal, hein, d'ailleurs ils vous le disent, nous prendre pour des imbéciles, nous prendre pour des idiots, mais nous ne sommes ni imbéciles ni idiots, nous sommes des êtres souverains qui dormons. Suite à un endormissement global, il y a des centaines d'années. Et maintenant, je pense qu'on a assez dormi hein, et qu'il faudrait penser à se réveiller. Hein. Il faudrait penser à se réveiller et à faire les choses dans le sens qui nous convient à nous, pas à eux. Hein. Ça serait une bonne chose, je pense, parce que si on va droit dans leur jeu.
Voilà. Donc, je ne vous retiens pas davantage. Ça fait presque 1 heure que je déblatère toute seule. Je vais vous poster cette vidéo. J'espère que vous la regarderez, qu'il y aura des commentaires de fait quand même. Ou pas, comme vous voulez. Donc, écoutez, j'espère qu'elle vous aura servi en tout cas. Voilà. Très bonne journée à tous et à bientôt. Bye.